Donc voilà, c'est, je suis assise un peu entre deux chaises, je voulais quand même partager cette émotion qui est assez puissante là. Mon fils est parti dans la voiture, il va pas tarder à revenir. Donc c'est violent et en même temps, c'est nécessaire qu'on puisse recevoir ça pour sortir nos, les générations à venir d'une illusion en fait qui fait qu'on se perpétue dans quelque chose qui n'existe pas. On vit mal, notre communauté vit mal, et c'est partout dans le monde, et on a l'illusion que ça va ou que ça va aller. Sauf que si on ne bouge pas, ça n'ira pas. Donc voilà, c'était plus une décharge qu'une question. Et moi aussi, je pense que c'est une décharge, et pour vous. Et comment vous voulez que cette communauté s'en sorte? Vous voulez bâtir la vérité aux enfants? Mais oui, vous avez envoyé l'enfant à la voiture, non? Il fallait le laisser là. Moi, je n'ai pas encore d'enfant. Et ce que je vois que vous faites, la communauté noire, il y a plus de 200 ans qu'à Haïti, Dessalines s'est levé. Il a battu l'armée française. La première qui les a mis dans la clé. Et vous parlez du tout, mais vous avez oublié la tête de l'Afrique. La tête de l'Afrique se trouve en Haïti. Et pourquoi Haïti a fait ce qu'il a fait? C'est parce que les esprits dont Dessalines étaient en train de vénérer, c'était tout un ensemble d'esprits. Il y avait les Indiens à Nakaona qu'ils ont tués, les Indiens avaient leur culte aussi. Eh bien, nous, je pense qu'on a tourné trop. Et c'est pour ça que j'allais poser cette question. Après, ça, c'est sur à quoi? C'est sur à la suite de quoi? Moi, je vais rentrer en Haïti, soit pour mourir, soit pour vivre. Parce que je ne suis pas fier de l'humanité et j'ai en horreur mon peuple. Parce que vous avez trop supporté. Moi, je ne supporte pas tout ça. Et si je n'étais pas convaincu qu'il y a une force, je me suiciderais déjà à Paris. Je ne vais pas me suicider à Paris, je vais en Haïti soit pour mourir, soit pour vivre, parce que vous avez trop supporté. Et si toutefois je veux des enfants, je les expliquerai tous les horaires et les blancs que je vais subir. Et Dessalines était le seul qui a dit, quand Napoléon a envoyé Rochambeau pour le punir, il a dit à tous ceux qui veulent redevenir esclaves des Français, sors dans ce fort, car nous avons juré de vivre libre ou de mourir. Et Dessalines qui est en moi veut vivre libre encore au lieu de vivre debout, de mourir debout au lieu de vivre à genoux. Merci.